Wesh les gars, c'est Restore, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour plusieurs techniques de fight à utiliser assez fréquemment. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et lâcher un pouce bleu, plus vous abonner à la chaîne bien sûr si vous avez aimé. Puis on va commencer directement par la première technique. Alors pour la première technique les gars, il y a votre adversaire qui est placé juste en face de moi dans la box en bois. Vous checkez évidemment s'il n'y a pas un escalier ou un cône à l'intérieur de sa box. Vous vous placez directement sur l'un des côtés que vous préférez, gauche ou droite. Moi pour ma part je vais aller sur le côté droit. J'édite mon mur comme ceci, je place un cône directement ici, comme ça votre adversaire ne peut pas placer un escalier. Puis vous mettez bien évidemment sur le côté pour pas vous prendre une balle gratuitement. Vous checkez avec votre cône en main le bas du wall, vous confirmez, puis vous verrez que le cône s'est placé directement dans sa box sans vous tracasser la tête. Bien évidemment après vous pouvez bien évidemment le mongrel si votre adversaire est low. Du coup c'était tout pour la première technique. Alors les gars, pour la deuxième technique, c'est très simple. On va directement enchaîner. Alors je vois vraiment beaucoup de personnes essayer de side jump comme ceci, alors que c'est vraiment trop dangereux. Vous pouvez tout simplement partir en double edit, éditer votre sol comme ceci, placer deux walls ici pour vous protéger. Puis ensuite, vous pouvez side jump, puis partir en retake ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça vous évite de vous prendre une balle assez gratuitement si votre adversaire est déjà placé à peu près au même étage que vous. Voilà. Alors pour la troisième technique, les gars, ça va être une technique plus pour récupérer le high sur votre fight. Donc c'est une technique que j'utilise assez fréquemment. On va directement procéder. Donc vous allez partir directement comme si vous voulez faire une double edit. Vous allez placer des murs tout autour de vous. Ensuite vous allez placer un cône et un sol au-dessus de vous. Vous allez réinitialiser votre cône, l'edit en deux comme ceci. Puis refaire une triple edit pour directement récupérer le high sur votre adversaire. Je vais vous la faire en plus rapidement. Puis on va passer à la technique numéro 4. Et pour la quatrième technique les gars, c'est une technique que j'utilise assez fréquemment quand je suis boxe, voilà, et que mon adversaire a la hauteur. Donc en général votre adversaire essaie de descendre pour essayer de pickaxe vos walls ou je ne sais pas. J'essaye de pré-shoot où mon adversaire descend, donc s'il descend juste au-dessus, je mets un sol juste ici. Dès que mon adversaire atterrit sur mon sol, j'édite mon sol, je tente une balle. Ensuite si vous avez des bons réflexes, vous pouvez évidemment directement le box s'il n'atterrit pas en bas. Voilà les gars. Puis on passe directement à un exemple de la technique en plein fight. Et voilà les gars, c'était tout pour ma première vidéo tuto. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris aussi des choses sur ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, puis à me mettre des avis dans les commentaires les gars. Allez, c'était Restore, peace out. You from a balcony, don't let the blue long chairs next to the ice just stuff 2 grams in the blood that we just blew. Now I'm getting blown by a bitch who I don't know.